Une grande place est dédiée aux chasseurs. Une statue a été érigée en leur honneur, rappelant leur rôle dans la constitution des grands empires. Mais aujourd'hui aussi, leur implication politique est considérable. Que ce soit en Guinée, au Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, nombre de confrères ont pris part aux conflits régionaux armés. Diakaridia se rend chez Waraba, dit le lion. C'est l'un des plus influents et des plus craints de tous les confrères maliens. Waraba, le lion, est très au fait des subtilités de la politique internationale. Et chacun de ses 6 téléphones le maintient en lien direct avec le monde. C'est très bon. Donc, alors oui, tout le monde le sait. Je ne culte pas rien. Mon nom là, ce n'est pas un nom vain. Hein. Là, c'est la réalité. C'est un don naturel chez moi. Si je me mets dans, dans le conflit de la Côte d'Ivoire là, tout de suite, là, c'est fini là. Parce qu'on nous craint trop. Moi, je suis sadique. Je suis avec mes affaires. Voilà. Moi, j'ai les missiles de longue portée et de courte portée. Mais le mieux, c'est lui montrer la force. Tu vois? Quand il dit missile, Waraba parle de manière métaphorique de ses fétiches. Mais d'autres confrères, eux, se sont totalement impliqués dans le conflit ivoirien. Ainsi, un autre grand dignitaire de la confrérie s'est affiché aux côtés des chefs de la rébellion. Or, tout le monde lui prête le pouvoir magique de se transformer en buffle. Dès que la nouvelle de son ralliement s'est répandue, les militaires de l'armée gouvernementale se sont mis à abattre tous les troupeaux qu'ils croisaient, de crainte d'avoir affaire à lui.